Quel qu'en soit ce que tu fais, si tu n'es pas intentionnel, si tu ne peux pas voir à long terme, dans des actes immédiats, la comparaison ou bien des prises de décision seront légères. Nous sommes en train de parler de la loi de l'intentionnalité. Ton dilemme, tes transactions, quels qu'en soient les actes que tu commets, à tout moment, en appliquant la loi de l'intentionnalité, tu ne dois pas prendre les décisions juste selon les facts que tu as présentement sur la main, mais regarder à long terme avant de prendre la décision. Si tu peux penser à quelque chose, c'est que c'est faisable. Et si un être humain peut faire ce à quoi tu es en train de penser, c'est que tu peux aussi le faire. Tu peux tout faire. D'ailleurs, si tu regardes ta vie, tu verras que tout ce que tu as accompli, c'est comme le miracle pour toi-même. Donc, le chemin qui reste, quel qu'en soit ce dont tu t'es engagé à faire, que ce soit avec ton entreprise, que ce soit avec ta vie personnelle, tu peux le faire. Ce qui reste juste, c'est d'être la personne qui peut manifester cela. Moi, j'ai toujours dit que nous manifestons la vie que nous vivons. Tu es un être humain qui manifeste une vie. Donc, dès que tu changes, tu manifestes encore une autre vie.